Bienvenue au Death Fest Nantes. C'est ma 6e ou 7e édition. Ça se passe très bien, on a des beaux stands, je trouve. Celui-ci est vraiment pas mal. On a un très beau stand Toy Story, on a quelques très belles animations. Ça va être mon 10e Death Fest, un truc comme ça. Donc, c'est toujours super, toujours sympa, toujours une bonne ambiance. On retrouve toujours les mêmes gens, mais ça fait toujours plaisir de retrouver les mêmes gens tous les ans. Je trouve qu'il y a plein de monde, comme d'habitude, gros mouvement de foule entre les différentes groupes et c'est top. C'est un stand qui désemplit pas. L'ambiance est très cool, c'est très bon enfant. Super t-shirt. Ambiance excellente. Vraiment, les gens sont super accueillants. Moi, je viens depuis 2016, j'ai pas loupé une édition. Et toujours un régal de venir, de voir les copains aussi, on est là aussi pour ça. Voir des confs, proposer les sujets de temps en temps, c'est vraiment un régal. Allez, ça fait plaisir de voir aussi tous nos clients rassemblés au même endroit, sous un même toit. Moi, je dis que chez Sphere, c'est pas des commerciaux, c'est des technico-commerciaux. Mais vraiment, parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait, ils sont curieux, ils posent des questions. Quand ils ont un doute, ils n'hésitent pas à nous poser des questions, nous solliciter pour éviter de dire des bêtises aux clients. Je suis arrivé il y a 2 ans, on était un petit peu moins d'une vingtaine et aujourd'hui on est un petit peu plus de 40. Je trouve qu'on est une boîte qui est assez disruptive dans le sens où on va pas aller adresser tous les métiers, on adresse uniquement les métiers du dev, ce qui est quelque chose d'intéressant, comme nos clients le ressentent vraiment quand on discute avec eux. Ça permet de créer une relation de confiance. On échange beaucoup avec les commerciaux pour trouver les meilleures missions pour nos sphères. C'est ça qu'on sent, ouais.